Ici samedi, c'est maintenant. Ici samedi, c'est génial. La carotte est là, c'est maintenant. On va bientôt s'amuser, c'est génial. Dans ta filoté, dans les bacs, c'est maintenant. Les chapelles, les trompettes, c'est génial. JM dans la place, c'est maintenant. Caroline est trop sapée, c'est maintenant. Ici c'est midi, c'est maintenant. Vendredi on s'amuse, c'est génial. Y'a le chef Lazare, c'est maintenant. Merci Moïse, merci, on applaudit très fort. Voilà, eh bien, chaque vendredi, nous usons de toutes les techniques imaginables et inimaginables pour vous faire plaisir. Je vous assure, cher public et chers téléspectateurs, qu'aujourd'hui, ce sera vraiment quelque chose de magique. Alors, on est ensemble, parce que c'est midi, c'est maintenant. Nous sommes à la finale! Et ça va cartonner grave! Aujourd'hui, pour vous servir, la bande est déglinguée, composée de Jean-Michel Onin. Yeah! Jean-Michel, ça va? En grande forme, et j'ai kiffé tout à l'heure le départ hip-hop de Moïse, je pense. Il était super. C'est Soupa, mon frère. Bravo. Soupa! Et juste en face, vous avez les notre docteur, notre expert, notre analyste en humour, docteur Philo. Je vais rejoindre JM pour dire que le jeune Moïse, c'est bien, il chante bien, mais tu l'as filé un billet tout à l'heure là. Mm-hmm. Au petit, moi je te donne la parole, c'est mieux que l'argent. Moi je vais te produire. Ma parole. Un autre membre de la Caro Gang que je vais maintenant rejoindre, c'est Chef Lazare. Bonjour Chef Lazare. Caroline. Tu vas bien? Je vais très bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger? Aujourd'hui, nous allons voir des brochettes de merou pané. D'accord. Accompagnées des pommes, des carottes Vicky. Mm-hmm. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut pour avoir notre brochette panée? Pour faire notre brochette de merou panée, mm-hmm, nous avons besoin de filets de merou. De merou. Qui est là. Mm-hmm. Nous avons besoin des oignons. D'accord. Du poivron. J'ai toujours bien aimé la façon dont vous prononcez les oignons. Les oignons. Les oignons. Ça sort de l'ordinaire. Hein? Merci bien. Uh-huh. Du poivron. Du poivron. De la tomate fraîche, mm-hmm, de l'ail, mm-hmm, du citron. Et du citron, d'accord. Voilà. Maintenant, pour c'est la, pas terminé. Pour, hein. Voilà, pour l'assaisonnement, mm-hmm, on a besoin du poivre, poivre, du sel. Du sel. Mm-hmm. Au niveau de la brochette, ça c'est mm-hmm fini. Maintenant, l'accompagnement. Mm-hmm. Et ça, nous allons voir des carottes, des nouvelles carottes, mm-hmm, avec du persil et de l'huile. Voilà. Il vient d'arriver. Oh, on va reprendre. Donc, je commence à partir d'où? Je reste là. Mm-hmm. Alors, c'est bon? On peut y aller? J'attends le top. Hein. Faut déplacer les verres. On peut y aller. Je vais m'arrêter ici. Vas-y, pardon. Lui ou moi? Alors, vas-y. Donc, je fais comme si je viens d'arriver. Chef Lazare, bonjour. Bonjour, Caroline. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire des brochettes de merou pané, mm-hmm, avec des carottes Vicky. Ah, d'accord. Ouais. On va encore bien manger, oui, comme chaque vendredi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir notre brochette de merou pané? Voilà, pour faire notre brochette de merou pané, mm-hmm, nous avons besoin des filets de merou.
dans un premier temps. Voilà, ça, j'ai déjà tranché ça en tranches de brochette. Nous avons besoin des oignons, des poivrons, de la tomate fraîche, de l'ail, du citron. Pour l'assaisonnement, nous avons besoin du poivre, du poivre qui est là, du sel qui est là. Nous avons besoin des œufs, des œufs pour pouvoir paner, de la chapelure, qui est là, de la farine. De la farine. Donc on va revoir la chapelure. Voilà. Qu'on retrouve où? Ok, voilà la chapelure. Je veux dire, où est-ce qu'on peut trouver ça au marché, dans les grandes surfaces, partout? Dans les boulangeries. Ok. Vous voyez, c'est du miel de pain. Ah, d'accord. Voilà, c'est du miel de pain. C'est ce qu'on appelle la chapelure. La chapelure, voilà. D'accord. Là, c'est de la farine. La farine. Voilà. Et maintenant, des pics comme ça, pour pouvoir piquer nos brochettes. Ok. Voilà. Ok. Mais pourquoi le citron? C'est rare que vous utilisez le citron dans vos cuisines. Le citron rentre dans... Vous savez, le citron, c'est de l'antibiotique. D'accord. Donc, ça rentre dans l'assaisonnement des poissons, même des viandes, pour les empêcher de vite se décomposer ou de ne pas avoir des odeurs abondantes à la cuisson. Ok, c'est très important. Voilà. Alors, on commence par quoi? On va aller très rapidement. Là, on commence d'abord à assaisonner notre merou, les filets de merou. Si on finit d'assaisonner, on les pique par des brochettes. On les pique comme ça et on les passe dans les œufs battus. On passe des œufs battus dessus, de la chapelure, de la farine d'abord, des œufs battus et de la chapelure, et on fait frire dans la poêle. Maintenant, pour l'haricot, pour notre carotte Vicky. Vous avez confondu. Voilà, c'est pas bien grave, ça. Voilà. Pour la carotte Vicky, nous avons besoin des jeunes carottes comme ça, des carottes fines, des nouvelles carottes fines. Ah, d'accord. Mais quelle est la différence? Bon, ça, c'est ça a un goût particulier. Oui, un goût particulier. Tu sais, c'est des jeunes carottes. Mais est-ce que c'est riche en vitamines? C'est riche en vitamines. Ah, d'accord. La carotte est riche en vitamines, très bon pour la santé de la peau aussi. Voilà. Donc, nous passons ça avec un peu de l'huile à la poêle. D'accord. On fait dorer ça légèrement. On réduit le feu et on laisse fermer dans la poêle jusqu'à 20 minutes. Après 20 minutes, on rétablit l'assaisonnement, c'est-à-dire on met un peu de sel, un peu de persil et c'est fini, la carotte Vicky est prête. D'accord, merci beaucoup, chef Lazare. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est le résultat final. Hein. Merci bien. Alors, je rejoins donc les membres de la Caro Gang. Alors, Caro, excuse-moi, est-ce que Jean-Michel, parfois, pendant la présentation de chef Lazare, de saliver? Non, non, c'est quand c'est terminé. C'est à la fin, là. Quand il a fini de préparer. Sinon, à cette étape-là, non, pas du tout. Alors, vous suivez ce midi le thème du jour, un thème évocateur qui va vous faire peut-être trembler, peut-être non, ça dépend, ça sera donc selon les sensibilités. J'ai 23 ans, elle en a 63 et je l'aime. Dis donc. Ben, je vous laisse tout simplement, trêve de commentaires, je vous laisse en compagnie de Dr Philo. Philo. Oui, le thème c'est... J'ai 23 ans. Oui. Elle, 63, et on s'aime. Oblou. Au village, c'est comme ça, nous, on réagit. Oblou. Wow. On dit, là, qui l'a, ça, vous l'aidez. C'est inimaginable. Mais moi, déjà, 23 ans, c'est quelqu'un qui est déjà mature. Hein, donc, il sait ce qu'il veut. Et il veut ce qu'il sait. Donc, s'il allait prendre 40... Il va philosopher pour nous donner... J'ai dit qu'il est mature, c'est un jeune qui sait ce qu'il veut et qui veut ce qu'il sait. C'est qu'il sait. Voilà, donc 40 ans... C'est vraiment plein de sens. Oui, 40 ans de différence, 63 moins 23, ça fait 40. Ça veut dire, moi, la vie avait 40 ans, c'est maintenant lui, il essaie. La marche dans 40 ans. Mais ça me fait penser, sinon, me fait croire à la réincarnation. Oui, peut-être que c'était sa femme avant. Maintenant, quand elle allait de l'autre côté, elle est revenue, elle est sortie quelque part. Quand la go a vu, maintenant, elle est tombée. Imagination fertile. Bon, souvent, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Souvent, c'est dû au fait que l'enfant peut-être n'a pas dû, il n'a pas connu un peu l'amour maternel aussi, tout ça. Il n'a pas vécu près de sa mère, de sa génétique. Voilà, c'est mis à mis les mamans. Ou bien il a vécu avec ses grands-parents. Voilà, ses grands-parents, tout petit au village, on l'a confié à sa grand-mère, son grand-père. Donc, il était au milieu des rides. Et quand c'est comme ça, il a l'amour des rides. Il aime tout ce qui est vieux. Il aime tout ce qui est vieux, tout ce qui est archaïque, tout ce qui est moyenâgeux. Voilà. Mais j'ai une inquiétude.
J'ai une inquiétude là. Mm-hmm. Quand il va avoir un enfant dans le couple là, l'enfant va appeler sa maman comment? Il va l'appeler mais maman ou bien? Parce qu'il voit la, la probabilité, à moins que ce ne soit un enfant adopté, parce que déjà à 63 ans, la plupart des femmes sont ménopausées. Mm-hmm. Donc voilà. Donc il ne peut pas avoir d'enfant. Mmh, on peut le dire ainsi. D'accord, c'est que lui, vraiment, il a décidé sa vie autrement. Ah, franchement, il peut adopter. Hein, il peut adopter. Oui, voilà. Mais même s'ils ont adopté l'enfant, il y a, comment l'enfant peut appeler les rides? Parce que, excusez-moi, sa maman. Et donc, j'ai terminé pour dire que... C'est une question d'amour, hein, Philo, faut pas t'amuser avec. Oui, non, c'est pourquoi je le respecte. Je respecte sa décision, je respecte les 40 ans. Tu respectes sa folie. Non, pas sa folie, traquer. Mais franchement, il faut dire que c'est... Il a ses raisons, il a ses raisons. Et puis, moi, je respecte en tout cas sa décision. Comme on le dit, le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. Alors, que pensez-vous de la différence d'âge en amour? C'est la question qui nous a servi de micro-trottoir. On se retrouve juste après. Pour moi, l'amour n'a pas d'âge. Du moment où les deux personnages ont la majorité, je pense que ça peut aller en amour. Si toi, par exemple, tu as des sentiments pour quelqu'un qui a peut-être 50 ans, pourtant toi tu as 20 ans, c'est pas de ta faute. Si quelqu'un aussi a 50 ans, a des sentiments pour une jeune fille de 20 ans, ou bien une femme âgée de 45 ans, comme on le dit maintenant, les gigolos qui sortent avec les vieilles mères, mais c'est pas de leur faute. C'est pas tout pour l'argent. Hein. Souvent, l'amour est sincère. Un monsieur qui a 60 ans, une femme qui a 15 ans ou bien 20 ans, je pense que la différence d'âge, là, c'est l'écart est trop grand. Moi, à mon avis, au moins, monsieur a 60 ans, la femme a 40 ans, c'est acceptable. Je pense que la différence d'âge en amour, ça dépend. Si l'homme a 70 ans, il peut aller avec une fille de 20 ans à 25 ans. Moi, je trouve que c'est normal. Mais au niveau des femmes, une femme qui a 70 ans, aller avec un homme de 25 ans, ça, bon, c'est pas trop normal. Voilà. Quand c'est l'inverse, c'est normal. Quand la femme est jeune, c'est normal. C'est-à-dire tout à l'heure, quand elle disait qu'elle considère normal le fait qu'un homme de 70 ans aille avec une fille de 25 ans, il y avait des réactions dans le public, j'entendais des... C'était quoi là? D'accord. Alors, notre invité du jour, notre invité témoin, est, au risque de me répéter, témoin de ce qui arrive. Il a 23 ans et sa fiancée a 63 ans, s'il vous plaît. Karim Camara est avec nous. Karim, bonjour. Bonjour Caro, bonjour. Et on te remercie, sinon on vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Merci d'être là. C'est très courageux de votre part, déjà avec ce que Dr Philo là. Avec ce que Dr Philo a commencé à dire, je suis sûre, vous connaissant, hein, je ne dirais pas vous connaissant, mais vous avoir déjà écouté, pour vous avoir déjà entendu, je sais que rien ne vous effraie. Non, c'est rien ça. Rien ne vous fait c'est peur. C'est maïs. D'accord. Je suppose que je n'ai rien entendu. Alors, Karim, ce que je veux savoir, cette dame, c'est votre fiancée? Oui, c'est ma fiancée. C'est votre fiancée? Oui. Vous voulez vous marier avec elle? Oui, oui. Dites-moi, comment ça a commencé? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ça a commencé comme ça, quand j'étais à la terminale. Mm-hmm. Un jour... On va demander de lever un peu, de donner un peu de la voix, okay. Voilà. Ça a commencé quand j'étais à la terminale. Uh-huh. Je partais... Public, on se calme, s'il vous plaît. Je partais au cyber pour faire des recherches. Mm-hmm. Et puis comme ça, sur un coup de tête, j'ai dit, pourquoi ne pas aller sur un site de rencontre? Des recherches sur quoi? Parce que, qu'est-ce que vous recherchiez sur le site de C'était des trucs sur la mécanique, parce que je faisais la filière mécanique. Voilà. D'accord. Donc, je suis allé, au lieu de faire mes recherches, je suis plutôt allé sur un site de rencontre. Mm-hmm. Voilà. Là, je me suis... On va dire que vous avez été tenté. Voilà. Voilà. Mm-hmm. Donc, comme ça, j'ai dit, bon, pourquoi pas m'inscrire? Je me suis inscrit sur un site que je ne dirai pas le nom. Mm-hmm. Voilà. En m'inscrivant déjà, au départ déjà, quand je me suis inscrit, j'ai fait une petite erreur, mais on reviendra sur l'erreur. Mm-hmm. Voilà. Non, on peut y aller. Hein. Vous vous inscrivez. Quelle est l'erreur que vous faites qui va être voilà. déterminant pour la suite l'erreur après? L'erreur que j'ai fait, au lieu de mettre 1991 à la date à laquelle je suis né, et à l'année à laquelle je suis né, mm-hmm. j'ai mis 1971. Donc, je me suis trompé. 1971. Oui, oui. Voilà. Donc les gens après, se trompent rarement quand même sur leur date de ouais, naissance. Ça hein. c'est vrai, mais uh-huh. bon. C'était déjà juste... même, je n'étais pas allé pour ça, j'étais allé pour quelque chose d'autre. Donc, mm-hmm. je n'étais pas trop concentré. D'accord. J'ai pas vu l'erreur. Mm-hmm. Voilà. Donc là, j'ai vu
ma Chantal, comme je dis, mon cœur, mon bébé. Elle était là. Parce que... C'est elle qu'on aperçoit là, sur la photo? Oui, c'est elle, c'est elle. Ah, d'accord. Voilà. Mm-hmm. Là, elle avait mis une photo qui m'a attiré parce qu'elle a un beau sourire. Son sourire, j'aime beaucoup. Et puis, elle fait personnage. Là, je suis allé, je lui ai écrit, elle m'a répondu. On s'est échangé des mails, etc., etc. Mm-hmm. Et puis, au fil des mois, au fil des mois, j'ai vu que quand je suis avec elle, je suis heureux. Les meilleurs moments pour moi, c'est quand je suis avec elle. Voilà. Donc là, je lui ai dit à Chantal, sincèrement, parce qu'au départ même, je n'avais pas de bonnes intentions. Voilà, je me suis tombé dans moi-même mon propre piège, quoi. Vous n'aviez pas de bonnes intentions au départ, oui, c'était quoi? Au départ, je me disais, oh là là, je vais la brancher, puis après, essayer de la bouffer, quoi. Comme vous vouliez l'escroquer, c'est ça, hein? D'accord. Pas escroquer, bouffer. Ah, pas pareil. C'est quoi la différence? C'est la même chose. La différence, on va dire un escroc, déjà un escroc, quand il veut escroquer quelqu'un, il n'utilise pas sa photo. Hein. Voilà, il se cache derrière une image qui n'est pas la sienne, quoi. Voilà. Alors que moi, c'est ma photo. En escroquant, je risque d'aller en prison. Voilà. Donc là, quand je lui ai dit, elle m'a dit, mais non, c'est pas possible. Toi et moi, on a une différence d'âge. Tu as 39 ans. C'est là que j'ai dit, waouh, j'ai pas 39 ans, je me suis trompé, j'ai 19 ans. Aïe! Ah. Mais déjà, 39 ans, elle trouve que c'est jeune. Et déjà, là, vous lui dites que vous avez 19 ans. Et quelle est sa réaction? Là, elle a dit non, c'est impossible. J'ai même mon petit-fils qui est plus âgé que toi. Voilà. Ah là là. Donc, voilà, j'ai continué à insister, j'ai discuté avec elle. Quand on parle avec amour, on trouve toujours les mots justes. Voilà. Donc, je l'ai convaincue. Et puis, voilà, elle aussi, elle a laissé les préjugés de côté. Et puis, on vit notre amour. Voilà. Comment vous êtes parvenu à la convaincre? Franchement. C'est vraiment la question. Je veux dire, déjà, elle est choquée par rapport à la différence d'âge de 63 ou je ne sais pas, elle avait 60 ans. Et vous disiez, sinon vous prétendiez avoir 39. Elle a trouvé que c'était trop bas, trop jeune. Et vous lui dites que vous avez 19 ans. C'est quoi vos arguments? Mes arguments, parce que là, on a dialogué, on a parlé longtemps, je ne vais pas... Est-ce que vous étiez amoureux? Oui, j'étais vraiment amoureux. Vous ne l'aviez jamais vu auparavant? Non, jamais, seulement... Mais comment vous saviez que vous étiez amoureux? Comment par, je sais ça? Par la photo? Oui, et puis on se voyait par vidéoconférence. Ah, quoi, d'accord. Au départ, c'était MSN, après c'est devenu Skype. Voilà. C'est quoi le truc que vous kiffez chez elle? Avec, Tout. Non, précisément quoi? Moi, j'aime son sourire. Ça suffit. Ouais. Vous n'avez jamais rencontré une femme de son âge ici à Abidjan qui avait un sourire tombeur? Non, pas comme ça. Elle a quelque chose de spécial, quoi. J'ai pas encore vu ça là. Oui, Philo. Oui, j'ai envie de lui demander, vous faites quoi dans la vie? Moi, je vends des voitures avec mon cousin. J'ai un cousin avec lequel il y a des mecs qui envoient leurs voitures d'occasion et puis on essaie de revendre, on a des commissions dessus. Moi, je dis que vous avez raté votre vocation, franchement. Vous aurez dû être archéologue. Là, l'archéologue, il s'intéresse aux choses anciennes. Mais il aime son amour. Il aime son amour aussi. Il est venu sur un plateau de télé. C'est qu'il aime, il assume tout ce qu'on va lui dire. Oui, hein. Donc voilà, j'ai confiance. C'est la réaction des parents, ça n'a pas été un choc de voir qu'un enfant promis un si bel avenir, à fonder une famille, avoir des enfants, se retrouve avec une femme ménopausée, incapable de lui donner des petits et tout ça? Là, je peux dire que... Je ne veux pas être méchant, mais qui se rapproche aussi de la mort. Hein. On va. La vie n'est pas logique. Je peux mourir avant elle. Ce n'est pas parce que je suis jeune qu'elle... Que on te souhaite elle pas ça, de toute façon. Oui, je touche on du est dans le cas normal. Mais justement, pour aller dans le même sens que Jean-Michel, comment voyez-vous votre avenir avec cette dame? Voilà, moi déjà... Je lui avais proposé de venir s'établir ici. Elle a dit non, elle ne peut pas. Parce qu'elle s'occupe de son antenne. Elle a ses chiens. Et puis, venir vivre ici, elle va perdre une part sur sa retraite. Donc là, quand on a pesé le pour et le contre, celui qui est plus apte à se déplacer, c'est moi. Est-ce que ce n'était pas l'intention au départ? Non. Est-ce que vous n'avez pas l'intention d'aller à l'aventure en Europe? Non, donc là, on s'accroche à une blanche, à une vieille blanche, et puis. Parce que voilà, à l'aventure, je ne veux pas dire que c'est facile, hein, mais on sait tous ici qu'avec 3 millions, on peut partir à l'aventure. Au moins 3 millions, sans me vanter, hein, j'ai déjà touché ça. C'est elle qui vous a donné ça? Non. Mais je vous demandais, elle est déjà venue en Côte d'Ivoire?
Oui, elle est déjà venue. Vous avez fait l'amour avec elle quand même. Ouais, ouais, ouais. Docteur Poulou. Je veux savoir. Ouais. Vous l'avez fait? Ouais, ouais, ouais. Et puis c'était comment? Philo. Non, en même c'était temps, bien. Ce sont de bonnes questions, allez-y. Oui, monsieur c'était Philo. Bien, vous avez fait, c'était bien. Ouais, c'était bien. Là, je ne veux pas traiter de vieilles, hein, mais bon, comme on dit, hein, c'est les vieilles c'était marmites beau, c'était qui beau. Font de bonnes choses. Entre vous deux, là, qui a redemandé? Parce que chaque fois, il y a quelqu'un qui redemande. Oui. Alors, docteur Philo, on va se calmer. Le public aussi va se calmer. Et puis, on va poursuivre l'entretien avec l'invité. Alors, ce que je veux savoir, quelle a été la réaction de vos parents quand ils l'ont vu? Moi, déjà, je ne vais pas dire que ça a été une chance parce que c'est un malheur. J'ai perdu mon papa. Je me dis toujours, si mon père vivait, peut-être que ça ne serait pas possible. Mm-hmm. Parce que lui, il était tellement dur. Mais bon. Ma maman, elle me comprend. Tout et tout, elle m'a dit, mon fils, ben, si tu es heureux avec elle, mm-hmm. vas-y, je ne peux pas t'empêcher mm-hmm. de vivre ton amour. Voilà. Bien, tu es jeune comme moi, est-ce que par moment, en rencontrant certaines filles bien, bien foutues, tu ne te dis pas, est-ce que je n'ai pas fait une erreur en hein, choisir cette bonne dame? Il n'y a pas de moment où tu tiques? Non, 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 jamais. J'ai jamais de regrets. Quoi. Mm-hmm. Souvent même, quand je vais en boîte avec mon copain, là, quand il y a des filles qui s'approchent trop, je dis que je suis pédé. Voilà. Vous dites que vous êtes occupé, vous êtes pris. D'accord. Alors, ce que je veux savoir, vous l'aimez. Hein? Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas quantifier l'amour, mais j'ai envie de vous demander à quel degré. Degré. Uh-huh. Bon, je vais dire que... Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour cet amour? Je l'aime infiniment. Infiniment. Oui. Est-ce que vous êtes, vous croyez en la réciprocité de cet amour? Oui, oui. Vous avez les preuves? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous témoigner, pour vous démontrer qu'elle vous aime réellement? Pour me démontrer qu'elle m'aime vraiment. Déjà, pour elle, c'était dur. Là. Toute sa famille me connaît. C'est même pas ils vraiment. Vous ont accepté? Ils m'ont accepté. Les enfants comme les petits-enfants? Les enfants petits enfants comme les petits-enfants. Wow. Aurélien, c'est mon gars, c'est mon copain. Qui est Aurélien? Aurélien, c'est le petit-fils de Chantal. Il a quel âge? Il a 27 ans. Il a 27 ans. Ils vous ont accepté. Oui, oui. Mmh. Est-ce que vous n'êtes pas pris dans un piège dans le genre madame vous accepte pour passer sa solitude et par compassion pour vous, peut-être parce que vous êtes forcené, entêté? Non, moi je ne dirais pas ça parce que mine de rien, malgré ses 63 ans, elle attire toujours, elle se fait toujours draguer. Donc si c'est les hommes qui l'intéressent. Se fait draguer par des jeunes comme vous? Pas des jeunes, mais bon, par des personnes qu'elle côtoie au quotidien. Voilà. Mm-hmm. Et vous envisagez d'avoir des enfants avec... Non, elle est ménopausée. Vous allez faire comment? Non, mais il peut avoir un miracle. Hein. Déjà, 40 ans de différence, si vous êtes ensemble, c'est un miracle. C'est un couple de miracles. Moi, il peut avoir un miracle. Dernière question. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est une histoire atypique. Mais qu'est-ce qui vous a poussé réellement à venir sur le plateau pour témoigner? Vous n'avez même pas eu honte, non? Vous nous appelez, je veux venir rendre mon témoignage à ces midis. C'est son travail. C'est quoi votre intention? Ah, Philo, doucement, là. Voilà, je suis venu à ces midis uh-huh. pour montrer aux personnes qui sont dans le même cas que moi, qui n'ont pas à avoir honte d'aimer une personne plus âgée que c'est l'amour, c'est comme ça. Uh-huh. On ne peut pas, si tu tiques pour quelqu'un, ce n'est pas parce que ceux-là vont dire, ouais, elle est trop vieille pour toi, ou celui-là va dire, il est trop vieux pour toi, que tu vas laisser passer cet amour-là. Il faut vivre son amour. Vous avez déjà rencontré Alissa Zena? Alissa. Nessie Indri? La première fois que je rentrais, elle sortait. Justement, les deux autres, je les ai vues au cours de notre premier entretien. D'accord, voilà. Décidément, on est sensible à la beauté jeune. On ne peut que vous remercier d'être venu. C'est votre vie. On ne vous condamne pas. On ne va pas vous dénigrer. C'est votre choix. Mais moi, je veux tout simplement vous donner rendez-vous dans 10 ans. J'espère qu'on sera en vie. Et j'espère que vous tiendrez toujours le même discours. D'accord. Merci beaucoup, Karim Camara, d'être venu sur le plateau de ce midi. La pub, c'est tout de suite. Et maintenant, ce midi revient juste après.